Question suivante. Alors, question de Guillaume. On me dit qu'acheter dans le neuf en nue propriété est un bon plan. Quelles sont les modalités et que me conseillez-vous? Alors, la nue propriété. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement? L'acquéreur, en fait, au lieu d'acheter un logement en pleine propriété, va acheter uniquement les murs, en quelque sorte. Il va confier l'usufruit, l'usage du bien, à un tiers, généralement un institutionnel, lequel tiers se chargera de la gestion et de la location. Alors, l'intérêt, c'est qu'au lieu de payer 100% du prix, généralement, il y aura une forte décote de l'ordre de 40% qui Oui, c'est correspond à ça. l'usufruit. Vous achetez donc beaucoup moins cher l'appartement neuf au Exactement. départ, jusqu'à 40% moins cher, mais en fait, il ne vous appartient pas vraiment. Enfin, vous êtes Absolument. propriétaire des murs, vous n'avez pas le droit de l'habiter, vous n'avez pas le droit de le mettre en location. Vous, en fait, vous pourrez en bénéficier 10, 15 ans peut-être plus tard, mais c'est tout. On est sur une période qui varie en général entre 15 et 20 ans. Donc pendant 15 et 20 ans, pas de revenus. Donc il faut avoir ça en tête. Ça veut dire aussi pas de charges, pas d'incidence sur l'imposition. En contrepartie, donc le gestionnaire, lui, va gérer au quotidien, louer. Il a même l'obligation de remettre le bien en état avant la restitution de l'usufruit, la reconstitution de la pleine propriété. Il peut y avoir un avantage en termes patrimonial, notamment, ça permet de transmettre uniquement la nue propriété, donc effectivement l'incidence fiscale est moindre. Autre avantage, c'est que bien souvent, on est sur des biens assez centraux, souvent des immeubles de cachet, donc ça permet d'acquérir à moindre coût un bien bien placé avec une belle architecture. La petite contrepartie, il faut être un petit peu vigilant parce que ce sont des sociétés spécialisées qui font ce type de montage. Évidemment, elles vont se rémunérer au passage. Donc veillez à ce que le prix total ne soit pas trop décorrélé du prix de marché. Voilà. Le service mérite effectivement, on va dire, une rémunération, mais veillez à rester dans les prix du marché malgré Mais tout. ça existe, on voit beaucoup dans le neuf, hein, nue propriété, donc le fait d'être propriétaire, mais de ne pas toucher en tout cas au logement pendant au moins 10-15 ans. Ce qui veut dire généralement c'est plus intéressant quand on a déjà sa résidence principale. C'est vraiment pour Absolument. ceux qui ont un peu de cash, un peu de sous, qui peuvent en tout cas placer leur argent dans ce secteur. Mais effectivement, moins 40%, ça peut être intéressant.